t'aime. Je sais. C'est pourri, gamin. Coucou, chérie. Mon précieux, mon trésor. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinépalace Actu. Le lundi 19 juin à 20h, les Cinépalaces vous invitent à une projection échange autour du film documentaire La Révolte Nature de la Vigne au Vert, en présence de sa réalisatrice Aline Gel et de Théophile Drache, vigneron de Toulois, et Alexandre Guillou, caviste de raisin. Hier, anecdotique, car cantonné à une poignée de vignerons et réservé à une caste de consommateurs initiés, le marché du vin nature se démocratise. Perçu comme un mode de production et de consommation respectueux de la nature et des hommes, il suscite de nouvelles vocations et réenchante un monde agricole souvent déconsidéré. Des stars aux pionniers, en passant par les néo-vignerons, ce documentaire part à la découverte de celles et ceux qui font le vin nature d'aujourd'hui. Regardez, des terres comme ça, ça sent bon. Voilà, ça, c'est beau, quoi. Ça, c'est un pied qui a 117 ans, quoi. Et c'est un des pieds les plus vigoureux. Quand tu vois la colline qui est toute verte, maintenant, c'est génial. Quand il y a des mecs qui investissent comme ça, ça veut dire que, effectivement, le bio, c'est peut-être bien dans le futur, quoi. Là, il y a une idée de rendement, d'argent, de productivisme et compagnie. Là, il y a juste une idée d'aller boire un bon coup à la cave de mon bras. Allez, un petit coup de vin jaune, de vin orange, pardon. C'est magnifique, ces couleurs. On fait des vins intemporels parce que ces vins-là, maintenant qu'on prit les tanins et qu'en sont là, je veux dire, c'est des inoxydables. T'as une telle digestibilité, t'as une qualité d'ivresse qui est hors du commun. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, là, puis qui te fait du bien. Le vin nature, c'est aussi l'intentionnalité du vigneron, son émotion. Ce qui traverse, quoi. C'est comme un rêve de gosse, hein, ce que je suis en train de faire. La projection échange autour du film documentaire La Révolte Nature de la Vigne au Vert, c'est ce lundi 19 juin à 20h au Ciné-Palace d'Épinal.